La mère a dit, « Joe, t'as plus l'âge de traîner maintenant, faut t'en aller. » Elle a dit, « Allez, va-t'en maintenant. » Il y a bien des années, un type comme moi, j'ai dit, « Mais qu'est-ce que tu racontes, la vieille ?» Après, ils m'ont laissé partir. Ils savaient bien que j'aurais jamais pu faire un coup pareil. Pas la peine de me faire le coup du gros méchant et du petit copain, je leur ai lancé, j'ai vu le film avant-hier. Ça leur a coupé le sifflet, ils m'ont relâché. La mère était une drôle de bonne femme, avec de la dentelle sous la robe qui sentait la lavande. Des fois, il y a comme un caillou dans la tête qui vous tape et tape, chien gueule. Son type avait pris 10 ans pour un casse minable. On s'était mis d'accord avec la vieille. Je l'appelais papa. Sur la route, il y avait un hérisson écrasé. Je me rappelle que le type a fait une réflexion là-dessus. Peut-être il pensait à autre chose. Un hérisson, ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai dit au type que j'avais tout mon temps. Et j'avais même un peu trop chaud. La voiture roulait à bonne allure. Et tout ce paysage qui défilait. Vous marchez tout le jour et la nuit, gare à vous si vous avez passé la dernière ferme. La rosée bien des jours ne vaut pas mieux qu'une bonne averse. Pas moyen de s'abriter contre ça. Le type conduisait en souplesse. Et j'ai pensé, elle en ferait une tête, la vieille. 10 ans de cabane pour un malheureux casse, les juges n'ont rien voulu savoir, alors elle allait toutes les semaines au parloir, elle dit qu'un jour elle l'oubliera. Quelle tête il avait déjà? Là-bas, quand il est sorti, dites-vous bien, c'est un brave type, il n'a pas fait long feu, fallait qu'il y revienne. Il a dit au juge, « Ça tombe bien, j'avais oublié mes clopes en cellule. » Toute la salle s'est marrée, et lui, il pleurait. Ce type, il a passé sa vie à rentrer et à sortir. La vieille a laissé tomber. Il n'en est pas mort de chagrin pour autant. Il a dit, « Oh, je comprends. » « Ça veut dire quoi ?» m'a demandé la vieille. J'ai dit, « Ben, qu'il reviendra. Probable. » Et puis, il a bien fallu que j'y aille. À un village, le gars a voulu prendre de l'essence. Il a fallu klaxonner pour que la patronne se pointe. Il m'a regardé une première fois, puis une deuxième. Le gars m'a demandé comment je trouvais sa bagnole. Je n'ai pas répondu. Plus tard, sur la route encore, j'ai dit « Vous devez être fier, hein, d'avoir un engin pareil pour vous tout seul. » Cette fois, c'est lui qui n'a pas répondu. Après, la nuit est tombée. La cave, c'était toujours le problème. Papa voulait que j'aille lui chercher une bouteille. J'avais pensé que des ombres, qui sont comme des toiles d'araignées, avec des sortes de griffes, vous poussent dans l'escalier, vous mangent les yeux quand vous n'y voyez pas. Alors des fois, ils se fâchaient. Des fois même, ils me flanquaient une rouste. Ma mère ne disait rien, elle, et pourtant, je la regardais tout du long, en tôle. Probable qu'il ne demandait plus rien. La nuit, j'y pensais des fois. Les ombres étaient là. Et peut-être elles me caressaient. Pour m'endormir, je tournais la tête sans arrêt en soufflant. Et la vieille guettait derrière la porte pour me dire d'arrêter. À la fin, je savais tourner sans faire de bruit. Et je m'endormais vite. On ne devrait pas toujours vouloir gêner les gens. Pourtant, ce que les gens vous font toute la vie, de la gêne. Et l'école, pareil. Oh là, il n'en a jamais été question. Tout petit, j'y allais comme les autres. Plus tard, comme les autres, je n'y suis plus allé. Mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, hein?
Le gars m'a dit qu'il était ingénieur et qu'il voyait à mes fringues que j'avais des problèmes. Est-ce que je ne voulais pas travailler ? J'ai dit, le travail, ça coûte trop cher. Deux enfants, qu'il m'a dit, et une femme, ça vous donne le sens des responsabilités, hein ? J'ai dit que je n'avais personne. Souvent, les voitures en face oubliaient de se mettre en code et j'avais mal aux yeux. Et ils ne m'ont pas fait le coup de la lampe. Est-ce que c'est réservé aux grands pontes ? J'ai dit, bon Dieu, mais je peux rien vous dire, moi. J'en sais pas plus que vous. Un des poulets tapait à la machine. À la fin, ils m'ont lu le papier et j'ai signé à l'endroit qu'on m'a dit. Les yeux. J'ai dit qu'ils me font mal. Et c'est une vérité qui vous ferait aimer le mensonge. Tant de choses qui ne sont pas ce qu'on voudrait qu'elles soient. Demain. Lui, à la vue la plus perçante de la planète. Il faut le voir plonger sur un lapin de Garenne, ou voler la corneille quand il la lit dans le ciel. Et Dieu sait qu'elle chiale. Au début, bien sûr, on ne l'avait pas affêté pour la chasse. Il appartenait à mon oncle, qu'il avait déniché. Un faucon niais comme celui-là ne fait jamais un oiseau de grand travail, mais j'y ai mis de la peine. Et le voilà maintenant bien assuré. Au début, il me bloquait la proie et charriait tant et plus. Mais à présent, il sait bien qu'avant de me nourrir moi-même, je l'aurais tout à fait contenté. Je suis toujours à lui filer quelques bécades. Et le pas, tous les jours, est de taille. Mon oncle est mort dans l'accident. De toute façon, ma tante ne voulait plus garder l'oiseau. Le gars ne s'est même pas arrêté. Et la bagnole, a dit un voisin, était pleine de sang. Elle est venue nous proposer l'air, les entraves et le leurre le matin de l'enterrement, disant qu'on en tirerait sans doute un bon prix de brocante. L'oiseau, dit-elle, ne sait que chier et paître. Elle dit que l'oiseau lui fait peur. Le faucon me connaissait. Tous les jours, j'allais avec mon oncle lui donner quelques vifs, cloués à la table de l'air, et nous le regardions manger. Mon oncle m'expliquait que les serres d'un faucon s'appellent doigts et les pieds, mains. Il me disait les noms des pennes et des parties du bec. Il me donnait le nom pour les crottes et le bouton qui se trouve au centre des narines. On dit l'émeu pour la merde et le frelon pour le reste. Tout ça et le reste. L'affêtage et sa suite. Et le respect. Tout ce qu'on doit savoir, je le dois à cet homme. Et sa femme disait qu'il n'était qu'un ivrogne. Moi, je l'appelais le fauconnier. Et le faucon connaissait bien sa dette envers moi. La tante dit aussi à la vieille que le faucon s'était échappé. Elle dit encore son nom que je connaissais, qui est Demain, comme le jour qu'on n'a pas encore passé. Elle expliquait à la vieille qu'on l'avait appelé comme ça, vu que mon oncle, tous les matins, lui promettait de s'en débarrasser le jour suivant. Et j'ai vu que ses yeux n'avaient pas pleuré. Dehors, j'ai sifflé. Je voyais la voiture lui plier les jambes. Le sang qui bave. Il ne dit rien. Demain a fini par virer au-dessus de l'air dans le jardin. J'ai fait tourner le leurre au bout de sa lanière et le faucon a piqué. J'ai lâché le leurre et Demain l'a lié en criant, comme il tombait à terre. J'ai posé le pied sur le leurre et j'ai tendu la boîte au pas. Maintenant, l'oiseau m'appartenait.
J'ai raconté tout ça à l'homme, pour qu'il croie que les gens ne pleurent pas toujours autant qu'ils le devraient. Je sentais qu'il voulait être seul. Et cependant, il s'était arrêté pour nous prendre, moi et demain. Il dit que le faucon est un oiseau royal. Puis il est proposé une cigarette. Les yeux déjà me piquaient et j'avais un peu mal à la tête. Je frotte et je dis que le faucon était sort quand la tante l'avait donné. Qu'aujourd'hui c'était un oiseau de demi et j'expliquais les mots et le reste. Qu'aujourd'hui donc demain avait 3 ans bien tapé, qu'on ne dit pas qu'il tue, le jet ou le ramier, mais qu'il les vole. Et le type étonné, voler c'est tuer. C'est sa vie, j'ai dit. Y a pas à en sortir, je pense. Je me crispais sur les pointillés blancs de la ligne, sur le côté. On avait allumé les phares et je ne suis pas tellement tranquille la nuit en voiture. Puis il a dit, c'est un oiseau de proie, n'est-ce pas? Oui, j'ai dit, et faut voir comme il pique. Puis il dit encore, vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Mais, j'ai dit, est-ce que vous dites toujours n'est-ce pas quand vous parlez? Il a ri. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé que les gens fermaient le soir les volets de leur maison. J'ai dit, ma maison, c'est ma tête, comprenez? Et lui, eh bien, j'ai dit, c'est tout. Des fois, ça fait même trop de soucis, est-ce que je pense? Peut-être le flic pensait que les canailles couraient encore et qu'elles riaient de l'aubaine et je gueulais dans la cage. Salaud! Vermine! Regardez où je suis maintenant! Le flic, bien sûr, s'en foutait, mais les gens ont la manie des bons rapports. Il n'y a rien de moins pratique qu'une machine à écrire les mots. D'ailleurs, je lui dis que je l'avais déjà vu quelque part où j'en savais plus foutre rien. Il hausse les épaules et il souffle du nez. Je rigole les canailles, monsieur, je les connais. Allez, vous n'en faites rien! Mais je savais qu'il m'écoutait même s'il faisait semblant de regarder ailleurs. Il ne faut pas confondre les yeux et les oreilles. Et ses oreilles, elles lui s'adressaient. Puis, je me suis rassis. Réfléchir un peu à ma proposition. Et alors, une fille s'est mise à hurler dans la cage à côté. C'est toujours comme ça en garde à vue. Une fois, les putes, elles vous insultaient quand vous les regardiez. J'ai dit, et alors, on est des hommes, merde. Et ça a détendu l'atmosphère. Après, tout le monde riait. Des fois, il suffit de rien. Le flic a dû finir par comprendre. J'avais recommencé à gueuler. Il est venu me dire de la fermer. Et j'ai vu qu'il me regardait avec un air spécial. Et cet air-là disait, t'en fais pas, bonhomme. Toi et moi, on est fait pour s'entendre. Je m'en vais arranger ton affaire. Argent. Il vient de mon cul. Et peut-être même que je vais en chier tout autant demain matin. Et moi j'ai ri. Parce que tout de même, on n'a pas tant d'occasion de se fendre la poire. C'est comme ça les souvenirs. Il y a des bons, il y a des mauvais. On choisit pas. Il y en a qui vous prennent le ventre pour vous le tordre. Le type il dit que sa femme est une ordure et j'avais les yeux qui pleuraient. J'ai dit, c'est pas moi, hein, c'est pas moi. C'est juste les yeux. C'est comme ça tous les soirs. D'ailleurs, le type n'écoutait pas. Il avait cette figure qu'ont les gens qui ne croient pas que quelqu'un les regarde souffrir. Il disait « ma femme, ma femme, ma femme ». Comme s'il parlait à la voiture, ou peut-être à la route.
et j'ai senti que demain avait peur. Une autre fois seulement, il avait commencé à me serrer le poing, comme s'il escaladait une branche. Une main, et puis l'autre, d'abord lentement, puis plus vite. Au début, vous n'y attachez pas d'importance, et puis la chose devient insupportable. C'est une danse, et c'est toujours comme ça quand la mort est proche. La dernière fois, il y avait un bonhomme au pied d'un arbre avec sa sacoche et tout le reste. J'avais marché vers lui avec deux mains qui gigotaient de plus en plus fort. Au moment de toucher le gars à l'épaule, je sens que tout vient à la fois, la danse et la tête du faucon qui donne du bec vers l'avant et soudain plus un geste comme si. Alors je n'avais plus besoin de toucher le gars pour savoir qu'il était mort. C'est une drôle de chose, des fois, d'en savoir un peu trop. Et demain ne bougeait toujours pas. Quand même, j'avais appris par son manège que le gars était raide. Alors il y avait nécessairement autre chose. Et c'était une folie. Ça me traversait la tête comme un film trop calé. Et demain a recommencé à bouger. J'ai fait un pas de côté, juste pour vérifier, et j'ai vu le couteau dans le ventre et tout le sang qui lui mangeait le flanc. Puis tout à coup, il y avait encore autre chose. J'avais vomi sur le gars et j'ai cru que jamais ça ne s'arrêterait. Alors je ne l'ai plus regardé. Et nous sommes simplement repartis. La vieille dit qu'il faut prier pour le jour de sa mort. Pourquoi elle mourrait? Elle ne se plaint jamais ou simplement des fois du ventre un peu. Toutes les femmes saignent un jour ou l'autre, est-ce qu'on sait? Une femme que j'avais eue. Dieu, quel bonheur de la trousser dans le garage. Je lui avais relevé la jupe jusqu'à la taille pendant qu'on se bécotait à tire-larigot. Non, qu'elle disait. Arrête ça maintenant. Et je lui disais qu'on ne peut rien dire aux mains que le bon Dieu a faites pour caresser les cuisses des femmes. D'ailleurs, foutaise, je savais bien ce que je voulais. Je le lui ai mis, là, sur le capot de la bagnole. Et la tôle lui avait fait froid aux fesses. Et par devant, et par derrière, il ne faut rien se refuser. Elle était foutument belle à enfiler la garce et à lui tenir le cul à pleine pogne. À la fin, badaboum, je pouvais à peine tenir encore debout. Et elle qui chialait, l'imbécile, braillant que j'aurais dû me retenir. A-t-elle encore braillé, la mignonne, quand son Jules lui en a planté 12 dans le ventre, des mioches, toute une tripotée de chiards, kilos de morve et de merde collés aux couches qu'on achète par paquet de 50 dans les supermarchés. Thank you.
chemin, ne bougeait pas d'un pouce dans la voiture. Avec ses yeux chaperonnés, on ne sait jamais ce qu'il s'imagine voir. Et là, cette route, est-ce qu'il aurait seulement compris que ce n'était pas elle qui volait, mais nous, dans la voiture, qui lui roulions dessus? Des fois, le moteur rugissait, le type piquait de ces colères froides qui vous font appuyer sur le champignon. À un moment, ça y est, je me dis, mais bon Dieu, mais ce mec va nous flanquer dans le décor. Et moi qui avais tant à faire. Tant à faire. Justement, ça ne vous dit rien de traîner? De quoi vous plaignez-vous? Mourir, c'est pas mon fort. Vous avez peur? Je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas assez mangé ce matin. Des fois, le ventre me tracasse. Comment vous faites l'hiver ? Comme tout le monde. Je râle contre le foutu ciel baveux et la neige qui tourne en gadou sur les trottoirs. Vous habitez où? Le faucon me dit si la maison est bonne. Je n'entre pas s'il me sert. Et s'il piétine, je fais même un détour. Quelquefois, de braves gens comme il en reste me donnent le gîte et le couvert. Je vais le moins souvent possible à l'asile ou à l'armée du salut. Ce genre de choses, comprenez? Pourquoi as-tu liquidé ce pauvre type? Oh, il était pas si pauvre, hein, croyez-moi. D'abord, c'était la couille à ma mère. À la maison, c'est papa qu'on l'appelle. Julien Castrop, né à Liévin le 16 février 1920, c'est bien ça? Castrop. Les gars l'appelaient fidèle. Ça les faisait rire. Allez savoir pourquoi. Ma mère ne riait pas, elle.
Il couchait avec tout ce qui bouge. Je l'ai pas tué, monsieur le commissaire. Le hasard est un drôle de truc, pouvez me croire. J'ai tout mon temps, qu'il a dit. On va demander au juge de pouvoir te garder un bon moment ici jusqu'à ce que tu avoues, à moins que tu n'aies une espèce d'alibi. J'en ai un, j'ai lancé. Je souriais, probable, et le flic tirait la gueule. Ouais, j'ai dit. J'étais avec un type, dans une bagnole. Le flic a soupiré, et j'ai donné le nom du type et la couleur de la bagnole. La tête me tapait à nouveau. Allez, pas si vite, j'ai dit. Le type a levé le pied, et le faucon a desserré sa prise. Pas si vite, les rêves, avec bien des fois le sommeil qui vous quitte. On ne m'a jamais poursuivi, je sais, faut croire que je fais peur aux gens qui viennent. C'est toujours moi qui les course, et puis le rêve s'arrête. La vieille dit, tout ça finira mal, Joe. C'est tout de même moi qui t'ai fait. La vieille dit, je le sens. Dans mon ventre. Un jour, le faucon m'a labouré la joue. Probable qu'il était vexé. Je n'ai pas bougé, et les ongles me fouillaient la bidoche. Je sentais que le sang commençait à pisser dans mon cou. Demain me regardait et Dieu que ça durait, ni lui ni moi ne bougions. Puis il a retiré sa patte et j'ai dû me soigner. Depuis, bien sûr, il y a du sang entre nous, comme le pacte qu'on signe avec un homme qui sait porter la marque ou la parole donnée. Après le sang qui coule, j'ai dit, il faudra quelque chose. Et j'ai choisi le bras droit, l'épaisseur du biceps. Avec une aiguille de l'encre, mais aussi, ce n'était pas vraiment utile, bien sûr, caoutchouc de semelle cramée et de la raclure de savon, je me suis fait un tatouage. Après, je parle et demain me répond. Il faut lui toucher la mulette ou des fois le laisser tirer à sa guise. Il dit, vous parle. Les gens se taisent, mais leurs yeux se déguisent. Demain me pose, lui, et je sais ce qu'il pense. Ce jour-là, ma vie a changé. Le flic est revenu à la porte de la cage. Alors maintenant vous me croyez, hein ?
Le commissaire n'a pas bronché. À quelle heure tu l'as quitté, ce type ? Lequel ? Le type à la voiture. De toute façon, ça ne te fera pas un alibi, hein ? Mais je veux savoir si on peut te croire. Au petit jour, monsieur le commissaire, on a vu le soleil se lever sur la route et puis il m'a laissé un embranchement. Probable qu'il a dû rouler encore toute la journée, mais t'as vu qu'il allait à l'étranger. Un sacré voyage. Tu ne crois pas si bien dire, me fait le commissaire. On l'a retrouvé mort, dans un petit bois. Ah, j'ai dit. J'ai commencé par dessiner les doigts du faucon, et le travail était difficile. Point par point, il faut piquer, et l'on regrette vite d'avoir commencé. La peau brûle, et le muscle aussi, comme une blessure. Point par point, il faut y mettre une sacrée patience. Après les serres, la figure d'un type qui saigne, que le faucon vient de griffer. Moi, le type, bien sûr, mais on ne pouvait pas le savoir. Alors j'ai eu l'idée qu'on puisse vraiment le reconnaître, et j'ai pris une glace pour me faire une croix sous l'œil droit. Point par point, la croix m'a pris bien trois quarts d'heure. Et après, je l'ai refaite sur la figure déjà tatouée pour qu'on sache bien qui elle était, et donc aussi le type qui était moi, et personne d'autre. C'était une sacrée preuve. Le bras était enflé terriblement, et je sentais aussi de grosses cloques prêtes à s'ouvrir tant j'avais charcuté le biceps à l'aiguille. Le sang dégoulinait de partout, et la tête me tournait d'une drôle de manière. Demain, regardez mon travail avec des yeux tranquilles. Je sentais bien qu'il attendait que je finisse. J'ai dit, il faut finir mon gars. Allez, personne ne le fera à ta place. Et j'ai continué. Sous le dessin de ma tête, et les doigts du faucon et les gouttes de sang que j'avais figurées par les petits pointillés qui giclaient de la joue. Il fallait que je marque pas de pardon. Je le poursuivais, monsieur le commissaire. Il venait de sortir en conditionnel et les vieux comptes restaient encore à régler. Il en voulait à mort, à des gars. La vieille m'a dit, rattrape-le, Joe. Empêche-le d'aller tuer l'un ou l'autre. Je savais bien qu'il allait vers le sud pour retrouver un des mecs qu'il avait balancé. Alors j'ai pris la même route. Bien sûr, il avait de l'avance, mais je pensais la rattraper avec un peu d'astuce, et j'ai foncé. Qui l'a tué ? Me demande le commissaire. Ah, comment savoir, je fais ? Il y a tellement de gens sur la route. Il ne l'aimait pas, hein ? Maintenant qu'il est mort, c'est plus facile de l'aimer un peu, j'ai dit. Et ils m'ont relâché. J'avais le bras tout enflé, et ça faisait presque du bien de marcher sur la route. Avec un peu de pluie et d'odeur. Je me disais qu'on a toujours raison de faire ce que la tête voulait faire. Et demain, serrer le gant. Et j'ai vu que le vieux était bien loin devant à poser son paquetage au pied d'un arbre. Et sans pouvoir distinguer vraiment sa trogne. À faire comme il le faisait, pas moyen de se tromper. C'était ses gestes. Et bien sûr, c'était lui qui les faisait. J'ai attaché le faucon par sa longe à une souche en bordure d'un champ. Et j'ai sorti le couteau et le mouchoir. Qui pourrait dire que je l'avais fait ? Et qui pourrait le croire ? Le vieux dormait. Il ne m'a pas entendu venir et le couteau est rentré dans le ventre sans un bruit. Comme si je l'avais simplement rangé dans sa gaine. Le vieux a ouvert les yeux. Et j'ai retroussé ma manche pour qu'il voie le tatouage. Et le sang... vient par vague. Il y a quelque part des fontaines qui crachent l'eau par petits paquets, comme le ventre gerbait son joli ruban rouge. Et le sang est aussi un miroir, comme un film où je vois la vieille culbutée, jambes en l'air, et qui beugle après moi et s'étouffe. Maintenant, il fallait aller prendre le faucon, et j'ai refait le bout de route en sens inverse. Puis nous sommes revenus
Ses deux mains s'affolaient sur le gant à l'approche de l'arbre. Brusquement, j'ai compris que j'avais oublié Castrophe, le couteau et le sang. Ça n'avait pas d'importance, voilà ce qu'il fallait en dire. Et j'étais curieux de voir ce qu'il y avait derrière l'arbre. À la vue de tout ce sang, j'ai vomi. Et j'aurais voulu tuer le salaud qui avait fait ça. Le type disait toujours « Ma femme, ma femme, ma femme. » « Est-ce qu'elle vous a trompé ?» j'ai dit. « Elle est partie avec les gosses, » qu'il a répondu. J'ai dit « Elle reviendra, allez. » Cette fois-ci, elle ne reviendra pas. Il m'a montré une lettre et c'était une femme qui disait à son mari qu'elle partait pour toujours. Alors j'ai dit « Il y en a plein des comme ça dans les livres. Est-ce qu'elle en lit beaucoup ?» Le type m'a regardé d'un drôle d'air. Et puis il a accéléré de nouveau, et demain donnait comme avant du bec et de l'aile. Juste l'oiseau qui bougeait et le silence du moteur. Les pneus sur l'eau de la route qui brillaient. Thank you.
J'ai dit, on se rend malheureux. Il a ralenti un peu et il a dit, vous avez raison, c'est idiot d'aller si vite. Et puis, le sexe, c'est comme un long voyage en voiture. C'est quand on se met à rêver que ça devient dangereux. Racontez-moi des histoires. Quand elle a ses nerfs, la vieille dit toujours, les hommes ont une queue. La belle affaire. Une queue. Qui voudrait croire ça? Toutes les queues donnent sur le derrière, la raison pour laquelle on l'aura mise sur le devant. Dieu est un drôle de type. La vieille lui offre des cigares à Noël. Elle les glisse un par un dans le tronc à l'église. On n'imagine pas Dieu fumant des papiers maïs, qu'elle dit. Probable que le curé en fait son affaire. De toute façon, elle les vole, alors. Quand le vieux est sorti de cabane la première fois, la vieille lui a fait jurer de trouver du travail. Il a craché par terre et il a gueulé. Si je le fais pas, que je crache le sang la prochaine fois. Ça avait fichu une sacrée trouille à la vieille. Elle l'avait supplié d'oublier cette histoire. Mais le vieux s'est mis à chiquer tout ce qu'il savait et ses glavios sont devenus tellement noirs que personne n'aurait su dire s'il y avait du rouge aussi dans l'eau. Et puis il a plongé encore. Il s'est fait encrister pour une histoire de recel à la noix. Il a tout perdu d'un coup. Le sursis, la vieille et les bonnes femmes. Pourtant, bon sang, il savait y faire avec elle. Oh, la vieille disait trop rien. C'est à un homme que je veux, qu'elle ronchonnait. Pas d'une queue ou Dieu sait quoi encore. Je préfère qu'il aille le faire avec toutes ses greluches, si encore il peut un peu moins. Les femmes. Avec toute leur bouche. Y a rien de plus difficile au monde. Comme une machine qui aurait tout dans la tête, comprenez? Une machine à qui il faut toujours plus. Et le courant n'y fait rien. Comme une lampe qui voudrait que le décor lui plaise. Tout ça. Le type souriait. La voiture flottait. Et les mots sortaient de ma bouche comme les oiseaux d'un pigeonnier. Le type a dit, j'aimerais en finir avec toutes ces histoires. Et toujours ce sourire bizarre. Alors j'ai continué à parler. La queue, le faucon n'en a point, j'ai dit. Des oiseaux de bas vol, comme l'épervier ou l'autour, on dit qu'ils ont un balai au derrière. Ce sont les pennes qui leur pendent. Et pourtant elles sont trop belles pour un connard de balai, seulement voilà. Oiseaux de chasse, mais de pas à vol. Le faucon est d'une autre classe, comprenez. Comme chez les hommes, toutes les queues ne sont pas bonnes à prendre. Queue de pouilleux, train de malheur, disait la vieille. Le jour, elle picole un peu et elle bouffe. Une fois qu'elle aura trop enflé, elle finira par exploser, je pense. Une éventration l'année passée, ça ne fait que commencer. Et pendant ce temps-là, Dieu s'enfile des cigares auprès de la princesse. C'est le vieux qui a jamais pu gober ça. La vieille lui offrait un pull à chaque Noël. Des pulls qui grattent, il râlait. Voilà la spécialité de ta mère. Oh, pas qu'il soit tellement méchant. Seulement voilà, il n'avait jamais cru au bon Dieu, comprenez. Thank you.
Le jour se levait et j'ai vu que la voiture prenait vers l'est. À un embranchement, j'ai dit « Stoppez là, je vais descendre. » C'est vers le sud que je continue. Le type a freiné et il tremblait. J'ai dit encore « Vous devriez vous arrêter dans le coin et dormir une paire d'heures. Ça ne vaut rien de conduire dans votre état. Merci pour la route !» Et je suis descendu en vitesse. Après, dit le flic, il est allé se garer au bout d'un petit chemin dans une sorte de clairière. Il a sorti son revolver de la boîte à gants et s'est tiré une balle dans la bouche. « Ah ouais ?» J'ai dit. « Sale histoire, merde. » Et ils m'ont relâché. Je pensais, à quoi il rêvait, ce type, quand je lui ai fourré le canon entre les dents ? Probable qu'il s'est vu en train de tailler une pipe à la chance. Il m'avait dit, « Voyez ce revolver ? N'essayez pas de me détrousser parce que je n'hésiterai pas à m'en servir. » Il avait dit, « Oh, pas que je pense que vous soyez dangereux ou quoi, mais je préfère vous prévenir. » Il avait dit, « Je l'ai toujours avec moi, et chargé, sinon ça ne sert à rien. » Il avait dit, « C'est la mort en conserve. » Et puis on avait roulé tout l'après-midi et la nuit. Au matin, j'ai dit, « Stoppez là, je vais descendre. » Et j'ai vu qu'il se garait, comme je le lui avais conseillé, pour souffler un peu. J'ai attendu qu'il dorme. Il s'est réveillé juste à temps pour voir que j'étais devant lui. Puis la tête a explosé. Et c'était mieux comme ça. J'ai jeté le faucon et l'ai laissé voler tout son temps. Puis il m'a lié une corneille. J'ai dit « Ouais, ouais, c'est bien mieux comme ça. » Pourquoi n'as-tu pas prévenu les gendarmes quand tu as vu Castrop sous l'arbre, me demande le commissaire. Qu'est-ce que ça change, j'ai dit. Là où il est maintenant, il ne m'en fera pas reproche, hein. Et ils m'ont relâché. La vieille dit, Joe, tout ça finira mal. Man, mais qu'est-ce que tu racontes, Man? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, Joe, suis-le. Je suis inquiète, tu sais. Pourquoi tu le laissais me flanquer des roustes, hein? 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 On a une maison, Joe. C'est sa mère à lui. Elle était à la ferme avant. Peut-être un jour il meurt et les papiers le disent, c'est moi qui l'aurai. Quelle maison, la vieille? Hein? Quelle maison? Une fois, il a dit, c'est à nous, ça. À nous, t'entends? À nous pour de bon. Au sud, il m'a montré un jour. Ouais, au sud, au-dessus de la ville. Quelle ville, la vieille? Dis seulement la ville! Elle m'a montré une photo. Ils s'embrassaient. Posaient l'appareil. Un ressort, qu'elle dit. Ils ont attendu le clic. La photo. Le vieux l'a embrassé, la mère. Attention! Sur la bouche! On ira, Joe. C'est là-bas qu'on est bien. J'ai vu tout ce qu'elle dit. J'ai vu la ville et la colline, et puis la maison aussi. La maison dit « T'as la honte, hein, Joe ? T'as la honte, hein ? Ah ! Ah ! J'ai dit « Mais... » Aucune ruine, la vieille. Une ruine, j'ai dit. La maison s'écroulait, et le vieux mort. Peut-être les flics lui demandent encore des comptes, pas ? Demain a senti que le couteau allait saigner encore ses yeux, comme ses doigts. Allez savoir. Je le connais, tenez. Je vois la maison, je dis, t'es gonflée la vieille. Ah ouais, vraiment, t'es gonflée, tu sais. Après, l'allumette a dit. Et l'allumette, c'est le... T'as l'air de quoi la vieille? Hein? 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 La bedasse du vieux qui saigne, et la voiture aussi, la cervelle, bon Dieu, tout le siège aspergé, les pelouses et les bagnoles, allez-y avec vos histoires de bonne femme! Demain, hoche, du bec, peut-être qu'il sait l'odeur de la flamme, ou alors c'est l'essence pour 20 francs, tout ce que j'ai, je dis, allons-y, faut le faire, hein, faut le faire, mais tout crame, mais faut voir comme ça brûle et ça trouve.
gomme. Ce soir, je prends la bouteille. Le vieux n'est jamais content. Pas l'ordinaire, bon Dieu. Ce gosse est marteau, ma parole. Je dis, j'ai pas vu. Je savais pas. La claque, je la voyais venir. Après, je sais, il dit, descends. Les gens vous mangent les yeux dans les caves. La bouteille. Le vieux, il frappe. Je vois que la vieille serre les dents. J'ai lu que les crocodiles, on leur met un bâton dans la bouche. Un jour, je lui offre un bâton et elle rit. Mon petit, mon tout petit. La maison brûle et j'attends. Rien d'autre. Dans les fourrés accroupis, je vois les gens du voisinage. Disent, bon, c'est réglé. Ils savent ou croient. Une ruine. Et c'était la promesse. On sera bien, qu'elle dit. Et la pluie. Et le reste. La maison crame. Hier, le faucon n'a pas bronché. Il faisait chaud. J'ai voulu l'emmener sur les braises. Il a fallu voler sur la ville et le reste. J'ai ouvert les ailes. Le faucon a dit, viens, viens, voler. Jamais voler. Je viens. J'attends. La maison brûle. La tête, je le sais, suivra aussi les pieds qui se lèvent. Le faucon nous bat des deux ailes. Et je griffe le cuir de mes souliers comme le gant du fantôme qui nous porte. Nous volons. Et la tête baisse des yeux. La ville nous fait une sorte de cible avec des feux qui clignotent. Les gens, bien sûr, ne savent pas que le rôdeur n'attend plus à leur porte. Je veux enlever leurs enfants et déchirer les visages qui me prenaient les yeux dans la cave. Sur la ville, on voit tant de... Le faucon dit, on mangera. Sur les toits, je vois que les gens se déshabillent. Je voulais voir, on a de la chance. Après la rue, la place, les voitures. Quelle idée! Je vole! Je vois que les gens dorment. Et la ville est comme la cave, des bouteilles vides. Il n'y a rien après. Le vieux tient ses tripes à pleine pogne. Le tatouage est OK! Nous volons sur la ville! Et le feu nous sert de repère! Demain aussi nous guide. Et je sens que les ailes sont douces. Je prends cette femme. Et ce verre, je dis à moi, à moi. La ville est à moi. Et les flics se taisent. Ils ont su que demain est avec moi. Après, nous revenons. Un perdreau nous échappe et demain le rattrape. Les ailes, le duvet et le reste, les boyaux, tout est bon. Demain, la vieille doit mourir. J'ai tant de route à faire. Et les autres, quels autres? Tant de route à faire. Demain, jeudi, le faucon, le couteau et mon allié, ce qu'il comprend, cette route et le reste. Un jour, on s'opposera, demain ou ailleurs, la même chose. Et ça sent l'envie. Je dis, tu veux voler demain? Et le faucon dit, oui, et c'est ce qu'il faut faire. Attends, les autres, viens, je viens, et demain, vous le verrez, ils volent, et je chasse. Les gens sont pareils, et les gens saignent. Demain, je ne me souviens pas. Les ventres, les têtes, les voitures, maisons. Ah, pour Dieu, c'est demain qui en veut. Oiseau de proie, chasse au vol. C'est ainsi qu'on le dit. J'attends. Le rôdeur qui m'appelle. Ah oui. Ils ont raison. Demain, la vieille. Demain, j'attends. Je viens. Allez, vol. Vol!